Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Planète Zoo. Heureux de vous retrouver pour cette suite à notre zoo aquatique. Donc, le planning du jour, ça va pas être simple. On va essayer de continuer, donc, comme j'avais dit dans l'épisode d'avant, tout ce qui est éclairage au niveau des chemins du personnel. Donc ça va prendre un petit peu de temps, ça va être un petit peu long. On va voir. Ensuite, on va progresser ici, là, sur cette zone-là, sur ce, au niveau des escaliers ici. Donc ça risque d'être super long. Et si on a le temps, j'ai bien dit si on a le temps, le bâtiment de commerce que je mettrai ici. Dans cette vidéo, je vais utiliser. Moi, je pense que je ferai ça vers la fin. Quoique, on va voir. Je vais utiliser ceci. C'est un plan que j'utilise, que j'ai créé, donc que j'utilise sur mes autres zoos. Un panneau d'information. Donc, je vais vous le montrer maintenant, comme ça sera plus simple. Donc, c'est un panneau d'information comme ceci, où je mets les différentes informations sur l'espèce dans lequel. Enfin, l'espèce qui vit dans l'habitat, la taille, la longévité, le poids, le petit panneau d'information, un petit panneau d'information à côté, plus les haut-parleurs. Donc voilà. Donc c'est ce que je placerai pendant mon mode construction, donc faut pas s'étonner. Puis on verra ça plus tard. Ok. Alors, du coup. Je vous ai expliqué un petit peu ce que j'allais faire, donc on va y aller tranquillou, c'est parti, on y va.
Bon, voilà. Me voilà de retour. Ok, donc là on a bien avancé. Bâtiment, donc avec les commerces, va être compliqué. Ouais, va être très très compliqué. Le petit bâtiment restaurant là, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est la première fois que j'utilise. Donc, à voir. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Normalement, il devrait sortir par là, en théorie. Là, je voudrais mettre une petite terrasse, donc il viendrait manger ici. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc ensuite, les gens viendront ici. Toilette, plus trois commerces. Ensuite, je verrai pour embellir le reste. Donc voilà, station d'épuration. Donc voilà, maintenant c'est bon. On est OK. Donc j'ai avancé donc sur le mur. Hop, on va couper ça. J'ai avancé sur le mur ici, sur le mur là, sur le mur ici. Point d'information. J'ai commencé un petit peu à travailler, à en mettre un autre ici. J'ai travaillé un peu la zone là. Bon, ça va avancer tout doucement, tout seul, gentiment. J'ai donc mis les lumières, ça m'a pris pas mal de temps sur toute la longueur. J'ai mis des petites planches ici parce que j'aime pas trop les chemins type perso. Ici, j'ai mis une planche. Alors ça, je le ferai de mon côté parce que je pense que ça va être très très long pour pouvoir placer les planches correctement. En plus, il faut suivre l'arrondi ici, donc ça va être marrant. Donc c'est pour ça que je vais faire ça de mon côté, tranquillement. Du coup, bah, je trouve qu'on a bien avancé. On va faire un petit test, on va mettre de nuit. Hop. Parce que j'ai essayé de faire des petits effets sympas. Ok, pas mal, hein, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Ah, la petite, ah, ça donne vraiment bien la petite lumière là. Donc là, l'éclairage. Juste ici. Ouais, c'est top. C'est top, c'est top. Là, l'éclairage intérieur, bon, un petit peu plus clair, bon, c'est normal. Voilà ce que ça peut donner. On retourne par là. Donc les petits éclairages colorés. J'ai eu cette petite idée, je trouve ça sympa aussi. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Ok, je suis plutôt satisfait. Alors ce bâtiment va continuer à évoluer. Hein. Quand j'aurai des idées, bon, je remettrai les petites touches nécessaires. Ça viendra au fur et à mesure. J'ai pensé à ça. Ici, soit je laisse comme ça, soit j'essaye de mettre quelque chose, je sais pas, on va voir. Mais c'est quand même sympa, cette petite place, j'aime vraiment la petite place. Donc du coup, le plus gros du travail, ça va être ça. Ça va être ce bâtiment, ce complexe de commerce. La toiture, je vais m'éclater. Je sais déjà que je vais m'éclater. Ceci, alors je vais essayer de faire un aquarium végétal. Ça existe, hein, les aquariums végétales. On verra bien ce que ça va donner. Et puis, bah, on verra ça sur les prochains épisodes. J'ai bien dit les prochains parce que ça ne sera pas en un seul épisode. Donc, on va voir ce que ça peut donner avec la petite décoration là. Là, bon, on va embellir ça correctement. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, les abonnements. Et je vous retrouve pour la suite. Salut!